quand même brut. Depuis le processus de Nairobi, ensuite il y a eu celui de Luanda,
nous y avions encore à cessez-le-feu plus qu'un calendrier qui commençait le 25. Après le cessez-le-feu, il y avait le retrait du 15 janvier et puis ensuite le pendant. Rien de tout cela n'a été fait. Nous demandons à voir. Nous donnons la chance à la paix, car comme je vous l'ai dit, ma présidence, elle est destinée plutôt à favoriser la cordiale entente entre les peuples, à commencer par les peuples des pays voisins. Donc je ne mettrai jamais d'entrave à tout ce qui peut aller dans le sens de respecter ou de promouvoir plutôt le processus de paix et de stabilité dans la région. Pour le reste, nous avons parlé des problèmes d'échange économique, des attentes qui sont celles de la RDC. Et là, j'ai eu vraiment plaisir de constater qu'il y a un engouement certain de la part de la France à pouvoir s'engager aussi dans cette compétition que j'évoquais tout à l'heure, dans les affaires en République démocratique du Congo, dans des partenariats que nous voulons gagnants, que tout le monde s'en sorte heureux et avec le sentiment d'avoir réalisé des partenariats qui sont satisfaisants. Nous avons évoqué également le problème des forêts, qui revient d'ailleurs de Libreville, où il a participé au sommet One Forest Summit. C'est un sommet qui a pris en compte, qui s'est plutôt attardé sur la forêt. La forêt du bassin du Congo, qui, comme vous le savez, aujourd'hui est le premier poumon de l'humanité et un atout formidable pour la lutte que nous menons tous contre le réchauffement climatique. Là aussi, nous avons développé une série d'idées et nous sommes arrivés aussi à des conclusions de partenariat important pour à la fois mettre en avant cet atout considérable qu'est la forêt, mais également comment par la transformation sur place, la transformation locale, pour créer de la richesse et des emplois, bref, une dynamique économique qui peut être favorable à nos pays. Là aussi, la France accepte de s'impliquer et de suivre. C'est une très bonne chose. Enfin, des minerais stratégiques, nous les avons évoqués. La France doit faire partie du débat. Ce qui m'a le plus intéressé, c'est ce partenariat qui va être conclu, je crois, avec la firme française et l'ERGM, qui va nous apporter son savoir-faire et nous accompagner dans la certification de nos minerais, la cartographie. Et plus tard, évidemment, ça nous aidera à pouvoir mieux exploiter ces domaines. Donc voilà en bref ce que nous avons passé comme sujet. Et je peux dire en conclusion que la France revient en force en République démocratique du Congo. Nous espérons simplement que cela n'est pas juste un peu paille, mais que ce sera vraiment un vrai débat à nouveau, parce que le président a fait des constats. Il n'y a pas beaucoup de firmes françaises en République démocratique du Congo en particulier, mais même aussi en Afrique en général, et que ce serait temps que la France devienne encore plus présente. Ce sera tant mieux pour nos relations, tant mieux pour les affaires, tant mieux pour l'emploi. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je veux dire en substance, en attendant évidemment les questions des journalistes. Je vous remercie. Merci. Monsieur le Président Macron, c'est votre première visite officielle dans le petit bureau. Tout le monde est à la compagnie. Vous avez quand même un moment assez particulier, même des relations sécuritaires et en antiste du pays. Quel serait votre premier message?
Merci beaucoup, madame. Monsieur le Président, cher Félix, monsieur le Premier ministre, mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les parlementaires, c'est-à-dire chers amis, d'abord, je veux dire que je suis heureux d'être aujourd'hui pour ma première visite en République démocratique du Congo dans cette salle historique pour l'histoire de notre nation. Et après avoir accueilli comme invité d'honneur le président lié au Forum sur la paix en 2019, puis retrouvé lors du sommet sur le financement des économies en 2021, il était content que je vienne. Alors cette visite, c'est la dernière étape, le point d'ordre en quelque sorte, une tournée de 4 jours qui m'a conduit de Libreville à Luanda, de Brazzaville jusqu'à vous, Kinshasa. Et c'est ici en effet que se trouve nombre de combats du siècle, y compris ceux que nous avons portés ces derniers jours, celui pour la forêt et justement ce trésor du bassin du fleuve Congo. Alors cette visite évoquée à l'instant, Congo est en mesure de s'aggraver. Elle intervient à un moment, vous l'avez dit, Président, où une région, un peuple, un pays, vit le nouvel acte d'une tragédie qui, depuis près de 30 ans, ne s'est jamais vraiment éteinte. Des centaines de milliers de Congolais revivent le cauchemar de la guerre, de la fuite, du dénuement absolu. Une ville, Goma, est à nouveau sous la menace d'une rébellion qui emprunte une nouvelle chronique aujourd'hui, le M23, mais dont le visage et les soutiens extérieurs et l'agenda sont peu. La France ne s'est jamais résignée à une soi-disant fatalité de l'histoire. Est-ce que l'horreur de la guerre puisse se répéter? Parce que la guerre qui revient, c'est ajouter des morts aux morts et des drames aux drames. Et en disant cela aujourd'hui, je veux également pleinement mesurer le poids de l'histoire, les drames qui se sont joués dans votre pays, les crises et guerres précédentes, qui nécessitent que la justice pour le temps présent et la justice pour les crises passées. Face à une histoire dont le nombre de victimes équivaut à celui des guerres mondiales que nous avons vécues, la France ne prétend pas, et je ne prétends pas, avoir seule une solution. La solution est dans un réveil collectif, dans la prise de conscience, ici, qui est l'affaire de tous et de toute la région. Et aux crimes et aux tragédies qui se déroulent sous nos yeux, nous ne devons pas ajouter l'oubli et l'abandon. Alors je souhaite aujourd'hui que la France reste fidèle à son rôle d'allié indéfectible de la RDC pour défendre son intégrité et sa souveraineté. La République démocratique du Congo ne doit pas être un butin de guerre. Le pillage à ciel ouvert de la République démocratique du Congo doit cesser. Ni pillage, ni balkanisation, ni guerre. C'est le sens même de ma présence aujourd'hui, dire à tous qu'il ne peut d'ailleurs y avoir deux poids deux mesures entre la tragédie qui se joue en Ukraine sur le territoire européen et celle qui se joue sur le sol africain. Et la solidarité ne saurait être à géométrie variable. Et à cet égard, je veux vous saluer, Monsieur le Président, pour la clarté de vos expressions et de vos votes à l'Assemblée générale des Nations Unies quand il s'est agi de condamner l'agression russe et de défendre le droit international. Vous méritez la même clarté. Nous avons, au cours des derniers jours, écouté des acteurs humanitaires congolais internationaux engagés sur le terrain. C'est la première réponse de court terme. Nous avons entendu leur alarme face au dramatique manque de moyens qui sont portés sur le terrain et les situations extrêmes qui sont à la fois à nouveau vécues par nombre de vos compatriotes. C'est pour cette raison que la France sera le premier État à répondre à l'initiative de l'Union européenne annoncée ce matin même de mettre en place un pont aérien humanitaire à destination de Goma. Nous allons débloquer une contribution immédiate de 34 millions d'euros d'aide humanitaire, laquelle s'ajoutera au montant de près de 50 millions annoncés par l'Union européenne. Nous nous tenons également à la disposition de l'Union européenne pour fournir des moyens de transport civils ou militaires et pour procéder à leur acheminement. Je veux ici remercier le commissaire européen Lennarty d'avoir avancé cette solidarité européenne qui se concrétisera dans les jours qui viennent par l'acheminement de plusieurs tonnes de matériel humanitaire au bénéfice des populations
déplacer la région de Goma et dans toutes les régions qui ont été affectées par ces mouvements rebelles et ces groupes terroristes. Le rôle de la France, c'est aussi de tout faire pour qu'il y ait un chemin vers la paix. Pour cela, chacun doit être à la hauteur de ses responsabilités. J'ai parlé il y a quelques instants au secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui est engagé pour faire jouer aux Nations Unies leur rôle indispensable, et je l'en remercie. Et donc ensemble, nous devons travailler, l'Union européenne, l'Union africaine, l'organisation sous-régionale, pays de la région et les Nations Unies, à ce qu'on chacun nous apporte sa contribution pour enfin imposer la désescalade et la paix. À cet égard, je veux ici dire tout notre soutien au processus de Luanda et de Nairobi. Suite à la dernière réunion qui s'est tenue en marge du sommet de l'Union africaine, à Addis Abeba, notre soutien à la médiation que vous avez confiée. J'étais hier avec le président Lorenzo, nous avons eu un très long échange sur le sujet et le plan qui est aujourd'hui sur la table, qui a été agréé par tous, qui est en train d'être mis en œuvre. J'en suis convaincu, et le bon, à condition évidemment qu'à chaque étape, il soit respecté, et que le chronogramme qui a été décidé à partir du 28 février soit dûment respecté. Cessez-le-feu sur le terrain, mécanisme de vérification sous supervision angolaise, cantonnement du M23 sur notre sol, processus de désengagement, désarmement et réinsertion, déploiement de forces régionales, je veux ici remercier les Kenyans. J'espère que les autres rejoindront. Moi, je veux ici dire que nous serons évidemment mobilisés pour aider au financement et désescalade dans un premier temps, retour à une paix durable ensuite. Tout ça est ce qui nous a longtemps manqué, mais tout ça dépend évidemment des pressions politiques, diplomatiques, économiques pour que cela soit respecté. À cet égard, la discussion que j'ai eue avec le président, la discussion que nous avons eue, le président Lorenzo, la discussion que j'ai eue ce matin, avec le président, cher Félix, l'échange que j'ai pu avoir avec le président Kagame m'a démontré une chose. Tous m'ont apporté un soutien clair au cessez-le-feu pour mardi prochain, qui est prévu dans le programme, sur lequel se sont engagés aussi les représentants du gouvernement, sans aller voir le président de France. Nous verrons maintenant si chacun respecte sa parole. Mais si je dois retenir un seul motif d'optimisme, c'est que les interlocuteurs adhèrent à ce plan porté par Angola, Kenya, le Burundi, et je salue, cher Félix, le courage qui est le vôtre de donner une chance à ce plan et à la paix, avec une exigence légitime, c'est que tous ceux qui s'y engagent respectent la parole donnée, les rendez-vous, les dates et l'effectivité des choix pris. Il nous revient d'être collectivement à vos côtés pour faire la démonstration que ce choix est le bon. Ceux qui s'en éloigneront auront une responsabilité écrasante et s'exposeront à la sanction de l'histoire. Et dans une région où la France a se regardé en face, propre passé, nous savons combien ce poids de la sanction de l'histoire peut être incapable. Je le disais en ouverture de nos propos, cette visite en un moment de gravité est aussi une visite d'amitié et d'espoir, et le président l'a évoqué à l'instant. Et c'est un espoir légitime parce que vous êtes un grand pays et nos deux pays ont en quelque sorte en commun aussi de voir grand. Et pour transposer un mot célèbre du général de Gaulle, le Congo ne peut être que le Congo sans la grande. Et donc, aucun pays d'Afrique doté que le vôtre, de richesses de toutes sortes et capacité à saisir un destin d'exception. C'est pourquoi nous souhaitons bâtir un partenariat de fond sur plusieurs axes. D'abord, vous aider à la paix de souveraineté sur le plan sécuritaire et militaire. Nous sommes déjà les premiers partenaires en termes de formation militaire de l'RDC. Nous souhaitons faire davantage parce que la condition pour qu'il y ait dans la durée la fin des pillages, la fin du risque de l'agression, c'est qu'il y ait le retour de l'État régalien et des conditions de cet État régalien partout sur le territoire. Nous souhaitons être des partenaires dans la durée. Ce travail, formation, équipement, capacité à être côté, ça correspond au nouveau partenariat de Kyoto. Deuxièmement, c'est sur le terrain économique, vous l'avez dit. Nous allons cet après-midi dans une conférence économique illustrer ce que je disais lundi. Nous répondons aux demandes qui sont les vôtres.
vient d'appliquer des solutions. On vient avec des entreprises de toute taille, de toutes sortes, et beaucoup d'entreprises nouvelles. Nous assumons d'être là, y compris pour défendre nos intérêts économiques, et on le fait en amenant avec toutes les compétences, et y compris les Européens. Et je me félicite que deux commissaires européens seront à mon côté cet après-midi. C'est pas simplement la France, mais la France et l'Europe, sur la base d'un partenariat équilibré et respectueux, et des services urbains si importants pour vous, qu'on évoquait ensemble, du numérique jusqu'au domaine minier. Nous souhaitons travailler avec vous pour bâtir un cadre de confiance qui permettra une exploitation au service des compagnies, dans les meilleures conditions scientifiques, permettant justement la coopération et nos expertises. C'est, je crois, la clé de ce partenariat économique qui nous permettra aussi de faire mieux, parce que l'Afrique est un théâtre de compétition. Cette compétition se fasse dans un cadre loyal, qui serve les intérêts des populations, qui aide à lutter contre la corruption. Mais nous avons notre place à jouer, ni plus, ni moins. Ensuite, après le sécuritaire et l'économie, c'est la science et la recherche. Cet après-midi, l'occasion et l'honneur d'être reçu par le professeur Mouyembe, découvreur du virus Ebola, en ce fleuron de la recherche scientifique congolaise et africaine, qui est l'Institut national de recherche biomédicale. Je vais ici d'ailleurs rappeler combien la France a été engagé dans cette lutte contre le virus Ebola avec les meilleures équipes de l'INSERM, de plusieurs de nos laboratoires, combien chercheurs, nos épidémiologistes sont venus, et qui avaient eu cette mission confirmée il y a quelques années, ici même, et je veux saluer cette coopération, mais l'INRP dans le séquençage des virus les plus dangereux, dans la lutte contre la pandémie de Covid-19, dans la formation d'étudiants venus de toute l'Afrique, prouve tout ce qu'on peut accomplir quand notre coopération se donne les moyens. Et sur ce modèle qui est un fleuron de la coopération franco-congolaise, je souhaite qu'on aille beaucoup plus loin, et la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pourra illustrer cette volonté dans de nombreux domaines d'échanges scientifiques et universitaires. Je souhaite aussi qu'on puisse le faire dans les domaines de climat et de biodiversité autour de la question des forêts, si importante et que vous avez réalisée. Enfin, voir les choses en grand, c'est le voir aussi pour la culture congolaise, c'est votre puissance. Il faut l'exercer, c'est votre intérêt, c'est le nôtre, d'avoir en Afrique, dans le monde, si je puis dire, l'équivalent d'un Nigeria francophone. Les créateurs et entrepreneurs qui nous accompagnent avec les ministres amènent avec eux, outre un immense intérêt pour leurs homologues congolais, tous les outils et les réseaux pour aider à se développer dans nombre de domaines nouveaux. Jeux vidéo, séries télévisées, bandes dessinées, e-sport, univers virtuel, de nombreux domaines où la créativité, le génie congolais a sa place à jouer, sa vocation, qui sont des moyens d'expression, de partage pour nos jeunesses, des moyens aussi de création, de développement de nos industries culturelles et créatives extrêmement importantes. Et dans ce cadre, je veux ici dire combien, à mes yeux, la langue française n'est pas simplement un trait d'union, mais un trésor devenu le centre de la République. Plusieurs présidents de la République sont venus avant moi ici pour parler de francophonie. Et lorsque François Mitterrand s'est rendu à Kinshasa en 1984, parler de francophonie, il a défendu ici. La France était deux fois plus peuplée que votre pays. Je viens ici devant vous en parlant de francophonie et en assumant totalement que vous êtes le premier pays francophone par votre démographie. Et donc, il faut prévenir les conséquences. C'est une communauté de langue, de valeurs, de solidarité, de progrès, d'exigence. C'est aussi une communauté de création, de dynamisme. Et je suis convaincu que la vocation qui est celle de la République démocratique, mon goût est de prendre toute cette place, la première, dans la francophonie de demain. Je souhaite que, ensemble, on puisse bâtir les prochains rendez-vous. Et en particulier des annonces fortes lors du sommet de la francophonie que nous aurons organisé en France en 2020. Merci beaucoup. Merci Monsieur le Président. Nous allons donc passer à la session. Alors nous allons commencer par Michel Pépida de Radio Capitale, une question, je pense, sur les assises sécuritaires. Michel Pépida, vous avez le micro. Merci. Je suis Michel Pépin-Lamboy de Radio Okapi. Ma question va s'adresser à M. le Président Emmanuel Macron. Monsieur le Président, la mémoire congolaise retient d'une façon fraîche que la France a joué un rôle pertinent dans le génocide rwandais et surtout dans l'entrée des FDLR en RDC,
avec l'opération Turquoise, vous vous rappelez, il y a eu un couloir humanitaire. On a fait entrer des militaires avec armes et munitions malgré l'opposition de l'autorité congolaise. Aujourd'hui, la RDC a déjà enregistré plus de 10 millions de morts. On est victime de notre solidarité. Comment la France compte-t-elle résoudre personnellement, puisque vous étiez là et c'est vous qui avez fait entrer ces militaires, cette problématique de la sécurité dans l'Est, et comment comptez-vous réparer le préjudice causé à la population congolaise? Ça, c'est le premier aspect de ma question. Le deuxième aspect de ma question, Monsieur le Président, puisque tous les rapports des Nations, des experts des Nations Unies, Amnesty International et autres, attestent la thèse d'une agression rwandaise sous couvert du M23. Nous constatons que la France n'est pas assez chaude à condamner le Rwanda, à demander des sanctions, puisque vous siégez au Conseil de sécurité des Nations Unies, mais vous le faites avec agressivité contre la Russie. Pourquoi cette léthargie du côté congolais? Du côté congolais, pardon. Vous sentez-vous plus coupable de la mort de 800 000 Rwandais plutôt que de 10 millions de Congolais? Qui plus est, vous avez même donné 20 millions de dollars au Rwanda, pays agresseur à la RDC. La RDC peut-elle toujours continuer à considérer la France comme un pays ami? Merci, Monsieur le Président. Merci, Michel. Merci pour vos questions. J'ai dit dans mon propos introductif, et je vous le redis avec beaucoup de clarté, que la France est alliée de la RDC et continuera de l'aide. J'ai dit avec beaucoup de clarté comment nous voyons la situation aujourd'hui, condamnant une forme de pillage, de balkanisation, de menace de la souveraineté de votre pays. Je suis prêt à ouvrir tous les dossiers d'histoire. Je l'ai fait avec Rwanda. Si c'est le sujet du président sur ce qui est dit, je suis totalement favorable à ce qu'il y ait une commission d'historiens qui puisse assigner les responsabilités aux uns et aux autres. Vous avez rappelé une page sombre de l'histoire de la région. La France a assumé d'ouvrir tous ces livres de la vérité par des historiens de manière totalement indépendante. Je pense que vous avez fait un raccourci qui, lui, n'a rien d'historique ni de juste. Entre le rôle qu'a joué la France et la situation dramatique que j'évoquais, la guerre, la deuxième guerre, avec les millions de morts dans notre pays, dont je rappelais la gravité. Donc je récuse le raccourci que vous avez fait et la responsabilité que vous pouvez assigner à la France. Parce que je suis pour la vérité, mais toute la vérité, je ne suis pas pour prendre tous les fardeaux. J'essaie de prendre les miens, c'est déjà bien. Donc, oui, pour une commission d'historiens, pour faire ce travail, si je vous sens que le président. Ensuite, soyons clairs, quelle est la situation depuis 1994? Plusieurs pays de la sous-région, il n'y en a pas qu'un, plusieurs, sont rentrés dans votre pays et plusieurs gros rebelles y ont prospéré. Qu'attend d'ailleurs beaucoup de richesses, une lien économique qui devrait revenir à votre pays. Et depuis 1994, c'est pas la faute de la France, pardon de le dire dans des termes aussi crus, vous n'avez pas été capable de restaurer la souveraineté. Ni militaire, ni sécuritaire, ni administratif de votre pays. C'est une réalité. Il ne faut pas chercher des coupables à l'extérieur. Et donc, on en est dans cette situation qui a conduit à des drames absolus, à cette deuxième guerre, à des millions de morts. On ne doit pas oublier. À la nécessité aussi, ce qui est une responsabilité qui doit se faire ici, c'est pas la France qui doit le faire, de mettre en place une vraie justice, une justice transitionnelle qui est la clé pour que celles et ceux qui, parce qu'ils ont tué, soient jugés. Et parfois, ils évoluent encore, ils sont là, ils sont encore avec des responsabilités. Comment voulez-vous qu'il y ait une paix durable et de la confiance d'un pays quand la justice n'est pas passée? Ne demandez pas, n'accusez pas la France pour quelque chose qui dépend de vous, là. Une réalité aussi. Mais très clairement, sur cette situation, j'entends, a pris un tour inacceptable. Voilà. Oui, pour faire la vérité sur l'histoire. Non, pour prendre tous les fardeaux. Et si on est clair, soyons clairs jusqu'au bout, ben, c'est pour toutes les responsabilités, y compris les responsabilités congolaises, y compris les responsabilités de la sous-région. Bâtissez une armée solide, construisez la sécurité et le retour de l'État partout sur le territoire, faites passer la justice transitionnelle pour que vous n'ayez pas des coupables et des criminels de guerre encore en responsabilité ou sur le terrain. Soyez intraitables avec tous les voisins de la région quand ils viennent vous piller et nous serons à votre côté. La clé dans la vie, on est voteur et le président. C'est très
très clairement d'avoir la capacité de tenir le territoire et un discours de vérité avec l'éducation de région, parce qu'on ne peut pas rester sur un modèle économique qui consiste à ce que les ressources soient prises ici pour permettre, en quelque sorte, la stabilité économique de l'autre. À ça s'ajoute un devoir aussi qui est de répondre à la menace terroriste. Je l'évoquais tout à l'heure rapidement, les ADF sont des groupes qui n'ont pas proxy régionaux. Ce sont des groupes terroristes sur notre sol qui menacent la stabilité et qui peuvent s'étendre, on l'a vu dans notre région africaine, avec des conséquences terribles. Ces mouvements terroristes islamistes, il faut aussi les combattre, c'est une question de sécurité nationale. Ensuite, pour ce qui est du M23 et des sanctions, j'ai toujours été très clair, et la France a constamment condamné le M23 pour ce qui est sanctionné. Et je suis ici pour que chacun prenne ses responsabilités, y compris pour l'Europe. Aujourd'hui, la région assume ses responsabilités en mettant un plan de désescalade sur la table. Il est à ses premiers pas. D'abord, il y a une convergence entre des mécanismes qui étaient séparés jusqu'à l'heure. Ensuite, il commence à fonctionner. En tout cas, je le regarde avec beaucoup d'estime, d'amitié, si je puis dire, de soutien. Et nous sommes d'accord, y compris avec le président Tshisekedi, pour appliquer ce plan et donner une chance à l'autre. Donc nous avons une opportunité de résoudre, je l'espère, la question du M23. Nous avons aussi l'opportunité de traiter ce faisant, si ce plan avec son chronogramme sont appliqués, enfin la question des FDL. Donc, je vais être très clair, ce n'est pas aujourd'hui. On doit tout bousculer. Aujourd'hui, il faut donner une chance à ce plan, à la médiation anglaise, à l'engagement des uns et des autres en résultat. Mais je serai tout aussi clair. Ceux qui feront obstacle à ce plan, et on le verra sur le terrain, puisque dans le cadre de la médiation, il y a un mécanisme de vérification sous pilotage angolais. On pourra dire qui respecte, qui ne respecte pas, avec des observateurs indépendants. Ceux qui feront obstacle à ce plan savent à quoi ils s'exposent, y compris à des sanctions. Merci. Alors nous avons Madame Oui, la question s'adresse à Monsieur le Président qui est le nouveau compromis africaine pour la prochaine élection à venir, comme ça avait été formulé lors de l'annonce de la victoire de Monsieur Tshisekedi. Et toute petite question supplémentaire, Monsieur Macron, vous avez beaucoup insisté durant votre tournée sur la fin de la Centrafrique, de la France-Afrique, excusez-moi. Votre visite hier à Brazzaville et les images du président français aux côtés de son homologue Sassou Nguesso ont été interprétées par beaucoup comme une forme de relicat du passé. Est-ce que, à ce jour, on peut dire que la réalité impose de, peut-être de maintenir, de garder cette pratique? Les annonces du président français, bien évidemment, sont satisfaisantes. Mais c'est encore sur le plan théorique. Il faut attendre de voir la pratique. Nous remercions la France et l'Europe pour ce soutien combien important à apporter à nos déplacés de guerre, à nos combattants déplacés de guerre. Et là, je leur ai dit que vous avez fait une proposition. On va condamner cette aide à se déplacer, le fait tout à l'heure au président Macron, c'est celle d'apporter plutôt une aide au retour et non pas une aide à demeurer dans des conditions infrahumaines que ces déplacés de guerre vivent en ce moment. L'aide au retour aura l'avantage à la fois de ramener évidemment ces déplacés dans leur lieu de résidence, mais aussi de mettre la pression sur le processus de paix, l'exécution du processus de paix, c'est-à-dire ces êtres et retraits. Au moment où les populations font mouvement vers leur localité d'origine, les terroristes du M23, ça donnera la possibilité, cette fois-ci à la Commission électorale nationale indépendante, de déployer ces machines et d'ouvrir ces bureaux pour enregistrer les électeurs, parce qu'en ce moment, je vous rappelle, nous sommes déjà en phase du processus électoral. Les électeurs sont en train d'être enrôlés,
c'est déjà fait dans la partie ouest du pays. Actuellement, nous sommes dans la partie centre et la partie est. Le seul problème reste au niveau des zones de troubles où nous avons besoin que l'ordre revienne ainsi que la stabilité afin de pouvoir continuer avec le processus électoral. Sinon, nous risquons d'avoir un retard considérable qui impactera sur la date du prévu par le. Pour le reste, c'est comme je l'ai dit, je demande à voir, surtout au niveau des sanctions, parce que je reste dubitatif quant à la bonne foi de ceux qui nous ont agressés. Il n'y avait aucune raison, je rappelle, qui justifiait cette agression, si ce n'est que des raisons économiques, mais propres au Rwanda, instigateur de cette agression. Maintenant, la question est de savoir est-ce que le Rwanda peut se passer de ce pillage systématique à la République démocratique au bout d'un an, vingtaine d'années. Et si c'est le cas, ça se vérifiera à travers ce processus. Et si ce n'est pas le cas, c'est là que je vérifierai les propos et les engagements du président Macron par rapport aux sanctions à prendre contre le Rwanda. Et ça, il faut le préciser. Depuis longtemps dans ce pays. Bon, c'est pas le choix de la France. Ça
fait 14 ans qu'il n'y avait pas eu un président français qui était là-bas. Et c'est normal que ce soit pas le choix de la France, parce qu'il se trouve qu'il n'est pas le président français. Donc, quand on va au Congrès de Lille, parce qu'il faut humilier personne qui fait une tournée régionale, ça ne choque pas particulièrement le président français. Bonjour. Le président français. Voilà. Après, la question, c'est qu'est-ce qu'on lui dit ? C'est pas pour lui servir la soupe. Et donc, j'ai tenu un discours cohérent avec ce que je vous disais lundi, qui est celui de bâtir de nouveaux partenariats. Une politique pour le climat et la forêt qui correspond à nos ambitions et l'application qu'on a lancée à Libreville. Une politique culturelle nouvelle en défendant justement les artistes, y compris les plus insolents et les plus innovants. De nouveaux partenariats en matière économique pour les petites et moyennes entreprises pour faire davantage là-bas et améliorer le cadre d'affaires, ce que je vais demander parce qu'il n'est pas bon aujourd'hui. Donc c'est une politique exigeante, sincère, d'avenir. Voilà. Mais si on se met en quelque sorte dans une situation qui consiste à dire partout où il y a des dirigeants qui ne sont pas élus au meilleur standard démocratique pour ceux qui nous plaisent, qui sont là depuis trop longtemps, il n'y a plus de déploiement de la France ou de partenariat, bah vous serez les premiers à expliquer le lendemain qu'il n'y a plus de politique de la France du tout, et qu'il n'y a plus de présence de la France. Donc, on fait avec les dirigeants qui sont là, avec respect, il y a du respect, on en doit à la fois au président Sassou Nguesso et à son peuple, on le fait en constatant nos accords et nos désaccords, en essayant de passer une politique d'avenir, et en disant ce qui ne va pas quand ça ne va pas, ce que j'ai fait hier. Donc je pense que c'est cohérent, mais c'est exigeant. C'est le propre exactement ce que nous sommes en train de faire. Avec le continent africain, je pense qu'il le mérite, parce que c'est un immense continent d'avenir avec lequel on a une histoire plurielle, c'est-à-dire multiple, mais qui est un continent que j'aime. Merci beaucoup. Monsieur le Président, vous avez une réaction par rapport à la question qui est posée ? Oui, je voulais réagir par rapport à cette question sur le compromis. Que, voyez-vous, madame, c'est justement ça qui va changer dans le rapport avec la France en particulier et l'Europe en général, l'Occident, notre façon de voir les choses lorsqu'elles se passent en Afrique. Quand il y a des irrégularités aux élections américaines, on ne parle pas de compromis à l'américaine. Lorsqu'en France, il y a plusieurs années maintenant, dans les années Chirac, il y a eu un scandale sur les électeurs décédés qu'on a fait voter, n'en parlait pas de compromis à la française. Je crois qu'il doit y avoir du respect dans la considération que nous avons les uns envers les autres. Nous n'avons aucunement l'intention de gabroder l'opinion de nos électeurs. Le processus électoral est entamé. Nous avons tiré suffisamment la sonnette d'alarme pour dire que s'il y a risque de dérapage, ce n'est pas à cause des autorités du pays ni des responsables de la CENI. C'est simplement dû au fait que nous sommes un pays agressé par le Rwanda. L'agression à laquelle d'ailleurs a fait suite un déplacement massif de population, d'électeurs, qui pouvait être en ce moment en train d'être envolé, mais qui malheureusement ne peuvent pas, à cause du fait qu'ils sont loin de leur base. Et à cause de cela, nous risquons de prendre du retard dans l'environnement. Et s'il y a retard dans l'environnement, il y aura retard dans le vote de la loi sur la répartition des sièges, parce que c'est très important, c'est en juin qu'elle peut intervenir, pour que nous puissions ensuite aller sur un processus électoral crédible. Sans cela, je ne sais, jusqu'à ce stade, je ne sais pas comment nous allons nous y prendre. Est-ce qu'il faut stopper le processus d'enrôlement des électeurs en attendant que la paix revienne, avec le risque que cela impacte sur le respect du calendrier ? Ou faut-il continuer le processus en ne prenant pas en compte les populations nombreuses de déplacés de guerre ? C'est ça qui peut poser problème. Et si demain, nous allons aux élections dans des conditions difficiles, vous parlerez de compromis à l'africaine, alors qu'aujourd'hui, ces mêmes Africains sont en train d'attirer votre attention sur cette ignoble et injuste agression due au fait que Rwanda et demandons même des sanctions. Personne n'en parle. Voilà ce que je voulais apporter comme président pour dire ça aussi,
étant en nous considérant comme de vrais partenaires et non pas toujours avec un regard paternaliste, avec l'idée de toujours savoir ce qu'il nous faut pour nous. D'avantage
travaille souvent avec les pays d'Afrique. Et lorsqu'il y a importation d'armées de tout genre, c'est par les ports de Mombasa et de Dar es Salaam, principalement, que cela vient. Et donc, nos opérateurs économiques n'étaient pas dans les mêmes conditions de concurrence que leurs homologues des pays voisins. Et ça avait un impact négatif pour notre économie, parce qu'ils étaient obligés à ce moment-là de migrer vers ces pays, de vivre là-bas, et donc de faire gagner plus de ressources à ces pays-là qu'à la République démocratique. Donc ça, ce n'est que pour l'aspect économique, il y en a bien d'autres qui ont mérité à ce que nous prenions la décision d'adhérer à cette communauté. Et puis, vu la taille de la République démocratique du Congo qui se situe au centre de l'Afrique, ça aurait été une opportunité formidable, surtout en ce qui concerne aujourd'hui la zone de libre-échange continentale, l'intégration de l'Afrique. Ça aurait été une opportunité formidable d'adhérer, et ça allait être une opportunité formidable parce que ça nous permet d'être au cœur de tous ces échanges entre l'océan Indien et l'océan Pacifique. Donc il faut regarder notre adhésion à la communauté d'Afrique de l'Est de cette manière. Malheureusement, entre-temps, par accident ou par velléité hégémoniste ou de pillage de nos ressources, le Rwanda fait la guerre. Mais cela ne doit pas remettre en cause toute la raison d'être de notre adhésion dans cette communauté. Alors, maintenant, lorsque vous me parlez de piège, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que d'abord, les forces kenyanes se sont déployées comme elles s'étaient engagées de le faire. C'est le cas. La difficulté, et j'en conviens avec vous lorsque vous parlez d'attitude bizarre de la part de la communauté d'Afrique de l'Est, la difficulté aujourd'hui, c'est de passer à la contrainte, comme ça avait été le cas. Mais vous savez, la contrainte, c'est la guerre. La guerre, on sait quand on la commence, on ne sait pas quand on la termine. Vous avez plusieurs exemples dans le monde. Et je crois que ces pays veulent donner la chance à la paix, mais alors jusqu'au bout. Et c'est notre cas aussi, nous, République démocratique du Congo, qui sommes les plus concernés par cette agression. Parce que, à cause de cette agression, nous sommes obligés aujourd'hui de consacrer nos ressources à renforcer les capacités de notre armée, alors qu'on pouvait continuer avec notre programme de développement local des 145 territoires, avec le financement de la gratuité de l'enseignement, avec le financement de la gratuité et de la couverture santé universelle. Donc voilà, je peux continuer comme ça, des tas de projets sur lesquels nous étions engagés et que nous sommes maintenant obligés d'arrêter parce qu'il faut se consacrer à la sécurisation de nos populations et de notre territoire. Et donc c'est d'abord l'affaire des Congolais avant d'être celle de nos voisins. Nos voisins viennent en aide à ce que nous recouvrions la paix et j'espère qu'ils auront raison. Ils veulent donner une chance à la paix, c'est normal, parce qu'ils pensent qu'engager les ressources à vouloir faire la guerre, c'est des dépenses, beaucoup de dépenses, et même au bout du compte, on n'est pas sûr du résultat. Donc donnons d'abord une chance à la paix, et je suis d'accord avec ces pays voisins, et ensuite nous verrons. Mais comme je l'ai dit, moi je reste vigilant parce que dubitatif, compte tenu de ce que je sais des velléités rwandaises, et compte tenu de ce que je sais de leur engagement pris jusqu'ici. Ils n'ont jamais d'ailleurs été respectés. Voilà. Pour ce qui est de votre question, j'ai été très clair sur la condamnation du 23 et de tous ceux qui soutiennent. Ce n'est pas être clair que ça, après. Ce n'est pas une question de dénonciation. Je l'ai fait tout à fait, excusez-moi. Parler d'agression, on l'a fait par des groupes. Des groupes qui sont d'ailleurs des groupes incluant aussi des Congolais. Vous savez comme moi. Ce n'est pas une agression de puissance extérieure. Ils sont soutenus par plusieurs puissances extérieures. Une logique de prédation.
Mais c'est bon, on peut aussi dire antisémites qui sont notre pays, la LGBT. Donc, je les condamne, et on peut parler tout à fait d'agression, j'ai aucun problème de tous ces groupes, y compris des ADF. Et la France est un soutien et un allié de la LGBT à la fois cette pillage, volonté de balkaniser. La question qu'il y a derrière, je me demandais, c'est de savoir si on veut passer un front supplémentaire, elle est au-dessus de sanctions. J'ai répondu à rien tout à l'heure. Dénonçons, condamnons, nous accompagnons le processus de médiation régionale, mais au moment où, pour la première fois depuis des mois, alors que jusqu'alors ces processus avaient été mis en échec par des refus de délivrer des visas pour permettre, par exemple, au moment de bouger, ça a été fait, ils ont pu aller à la mandat, il y a un processus qui avance, on a un rendez-vous mardi, je serai intempestif à vous dire qu'il y a des sanctions. Je vous l'ai dit, moi, je fais confiance à ce processus parce que je pense qu'on peut se faire plaisir. On peut faire de l'escalade de tribune ici devant nous. Mais demain, c'est quoi l'alternative au plan de paix régional? C'est la guerre. Est-ce que je souhaite la guerre pour vous? Non. Donc je souhaite défendre ce plan de paix régional qui paraît sérieux, crédible et qui engage toutes les forces de la région. Parce que je peux trouver de solutions plus intelligentes et plus crédibles. Et donc dans ce cas, je préfère faire confiance avec intelligence. Dire ce que nous attendons du Rwanda et des autres voisins, c'est de s'engager et de respecter les rendez-vous qui se donnent sous la supervision des médiateurs. Et s'ils ne respectent pas, alors oui, il doit y avoir des sanctions. C'est très clair. Mais au bon moment et en fonction du processus qui a été décidé par notre président et ses homologues à Addis Abeba et qui est sous cette médiation. Alors la dernière question est de Mme Christelle de Constellation. Bonjour, Christelle. La question s'adresse à des présidents français. Monsieur Macron, après plusieurs jours en Afrique, vous rentrez donc demain matin en France. Le pays, mardi, pourrait être bloqué en raison de la réforme des retraites. Alors, est-ce que vous ne redoutez pas que le blocage s'installe? Et puis, si la réforme devait rester très importante, est-ce que vous ne craignez pas que l'on vous reproche de ne pas être à l'écoute? J'ai déjà fait plusieurs commentaires sur cette réforme des retraites, qui fait partie de mon engagement présidentiel, et je ne sais pas, depuis ici, compte tenu des sujets qu'on est en train d'évoquer, de la lourdeur de l'actualité, de l'importance stratégique de cette tournée en Afrique, faire de nouveaux commentaires sur les commentaires, pas grand-chose de notre famille. Donc, ce qui m'importe, c'est surtout d'expliquer à nos compatriotes l'importance, en effet, dans un moment comme le nôtre, de passer 4 jours en Afrique, dans cette région qui est une région où partie de notre histoire aussi s'est jouée, on était à Brazzaville hier, qui était la capitale de la France libre, où il y a une partie de notre passé, mais surtout beaucoup de travaux sur le plan climatique, sur le plan de la biodiversité culturelle, linguistique, mais aussi sécuritaire. Et la République française, que les ministres du gouvernement puissent se déployer, y compris dans ces moments-là, pour porter la voix de la France, agir. Et tout n'est pas suspendu à une seule chose, tout doit faire. Nous continuons à avancer, mais vous avez compris que je ne ferai pas davantage de commentaires sur la vie politique française ici, de Kinshasa, à la fois parce que j'ai pas de choses à dire et ensuite par respect pour nos amis qui sont en train de vivre. Et je voulais simplement dire qu'on est ensemble. Tozar et Longo, Tuko Pamoja, Tucci, pas moi, Benukele, Kimbuka. Thank you.
refus de toute cotisation. Et de la République démocratique du Congo avec l'expression de nos hommages les plus déférents. En marge de la visite du travail en République démocratique du Congo et son Excellence M. Emmanuel Macron, président de la République française. Il s'est tenu le Forum économique de Kinshasa à l'hôtel Bullman sous le haut patronage de leurs excellences les présidents Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Emmanuel Macron sous le thème « Opportunité d'un partenariat stratégique RDC France-Union européenne ». Le programme de la cérémonie de clôture prévoit 1. La restitution des travaux des tables rondes par les rapporteurs. 2. Les discours des commissaires européens. Et enfin, 3. Le discours de leurs excellences, Monsieur Emmanuel Macron, président de la République française, et celui de son excellence, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. Leurs excellences, Messieurs les chefs d'État, avec l'expression de nos hommages renouvelés, le protocole sollicite votre autorisation pour inviter à ce micro les rapporteurs des tables rondes pour la restitution des travaux. Ainsi, nous invitons le rapporteur pour la table ronde mine. Et elles sont favorisées par
d'abord par le cadre légal congolais, lequel est très bien défini. Il existe un code minier congolais depuis 2009, qui a été revu en 2018, et diverses mesures d'application qui l'accompagnent. Il existe une loi sur la sous-traitance qui est en vigueur, même si certains opérateurs ont souligné la nécessité de ne pas faire sur certains aspects. Il existe encore des investissements qui octroient un régime fiscal avantageux aux personnes souhaitant investir en RDC. Il existe des zones économiques spéciales qui ont été mises en place en RDC. Le financement des PME et la gestion de risque peut aussi être assuré par un secteur bancaire et un secteur des assurances qui est dynamique en RDC. En conclusion, il conviendra de concrétiser les engagements de la déclaration d'intention signée ce jour au regard de ces conseils. Par ailleurs, pour les entreprises françaises et européennes, cela implique une prise de risque qui demeure, d'après nos échanges, calculée. Merci. Je suis Thomas Samuel, fondateur de respectivement Suna Design et Moon, qui œuvre dans les garages publics solaires et l'accès universel à l'énergie. J'ai le plaisir d'être le rapporteur aujourd'hui d'une table ronde sur la ville durable et les services essentiels. Nous nous sommes rassemblés et avons travaillé ensemble pour faire un constat clair et trouver des solutions concrètes pour, et je paraphrase ce qui a été dit ce matin et ce qui a été très, très repris lors de la table ronde. C'est des solutions concrètes pour libérer le potentiel d'un pays ami, d'un pays solution, via des partenariats à réinventer et à réenchanter dans le cadre de l'urgence sociale et de l'urgence climatique. Nous avons travaillé spécifiquement sur les quatre piliers de la ville durable, les quatre services essentiels qui sont le transport, l'eau, les déchets et l'énergie. D'abord, on a repris les fondamentaux qui rejoignent ces différents sujets, tous secteurs confondus. D'abord, la prise en considération du besoin, de l'existant, de ce qui a été fait et de ce qu'il faut réaliser. On a notamment reparlé du PDDK et du SOSAC qui a été financé par l'AFD et qu'il reste à réaliser. Il y a évidemment été rappelé le besoin impérieux d'intégrer tous les projets dans les politiques nationales et on a rappelé dans l'intérêt de la collaboration Europe-France-Congo la partie qualité et sustainabilité de ce que nous devons réaliser. Et enfin, l'accent évidemment mis sur la collaboration entre les secteurs privés européens, français et congolais pour permettre la réplicabilité de projets et du passage à l'échelle. Parce que il y a vraiment été expliqué ou redit deux temporalités principales, le court terme, le besoin de faire des quick wins et enfin le moyen long terme avec de la planification et de la structuration pour la réponse des gens à l'échelle. Tout d'abord les quick wins, en fait il y a besoin de projets concrets qui sont rapides et qui, j'utilise malheureusement, excusez-moi, un mot anglais, qui leapfrog les problématiques opérationnelles et structurelles. Un exemple concret avec le projet de l'entreprise Matière, qui est une innovation française d'un pont qui vient au-dessus d'un route, d'un cheminement ou d'autres choses et qui vient permettre de ne pas devoir rechanger toute la planification d'une ville pour résoudre le problème de transport. Il est aussi ressorti de la même façon le besoin de financement agile. Avec l'exemple cité du TER de Dakar, qui a été financé par des crédits acheteurs et réalisé dans un temps record. Du coup, ça crée des opportunités business et des capacités de prouver deux choses qui ont été reprises plusieurs fois. C'est la capacité et l'excellence des entreprises européennes et françaises et aussi
la bonne gouvernance côté congolais et la capacité de récupérer et d'opérationnaliser les projets sur place. Enfin, à moyen terme, évidemment, la résolution des problèmes à l'échelle, avec de la planification, de la formation et de la structuration financière et des partenariats publics-privés, l'implication des capitaux privés, et qui crée là aussi une opportunité de business long terme et pour les deux parties, et qui devra inclure des projets de co-industrialisation. Et en conclusion, et ça a été ce qui a été noté, c'est dans ce contexte d'urgence climatique et d'urgence et d'injustice sociale, la coopération entre l'Europe, la France et la RDC est un cas d'école. Et très concrètement, il a été proposé d'organiser d'ici 6 mois une nouvelle rencontre axée sur les services essentiels qui pourra montrer des avances précises sur à la fois l'annonce de nouveaux projets pour répondre aux enjeux court terme et de la planification. Merci à tous. Nous invitons le rapporteur de la table ronde numérique à prendre la parole. Excellences, messieurs les présidents, commissaires européens, mesdames, messieurs, je m'appelle Sylvie Pilater, je suis fondatrice d'un accélérateur de start-up basé en RDC. Le numérique est vecteur de solutions de transformation et surtout un levier pour une économie sociale. La RDC a manqué toutes les révolutions. Le gouvernement actuel dirigé par monsieur le président Tshisekedi est conscient que la RDC peut devenir un acteur de la révolution numérique par des actions concrètes. Voilà pourquoi le plan national numérique horizon 2025, la fonction publique, n'utilisons pas d'outils informatiques dans leur travail quotidien. Il faut aussi soutenir la création des fichiers généraux de la population par la mutualisation des données sectorielles, électorales et autres pour l'identification numérique unique. Dernier point concernant les data, il s'agit de mettre en place un cloud souverain et mettre en place une stratégie de lutte contre la cybercriminalité. Le troisième point concerne les applicatifs et les solutions. Il nous faut implémenter des plateformes et des logiciels métiers pour accroître les recettes domestiques, implémenter des solutions de paiement et de monitoring des services financiers comme le Global Money et le Switch Monétique. Quatrième point, il s'agit de financement. Permettre l'accès à des financements innovants sur le capital risque en soutenant les startups et en poussant l'innovation, en créant concrètement un écosystème solide. Le cinquième point concerne le capital. Nous pouvons investir si nous n'avons pas d'experts local avec une transférence de compétences, nous connaîtrons continuellement des freins. Voilà pourquoi il faut identifier des domaines clés compétences disponibles et bâtir en faveur de cela une transformation numérique. Il faut organiser la capitation humaine en numérique à travers la certification, la formation universitaire, l'éducation du grand public dans les secteurs tels que la santé, l'inclusion financière et numérique. Je tiens à souligner qu'actuellement, il y a un protocole d'accord qui est en train d'être signé pour implémenter l'école 42, qui est clairement en cas de partenariat France-RDC. Je terminerai mon propos en disant que nous sommes tous conscients ici que la RDC a un potentiel, mais le potentiel ne se mange pas. Voilà pourquoi, dès actuellement, RDC, Union Européenne et France, nous sommes conscients aujourd'hui de mettre en place des stratégies avoir des effets immédiats sur nos populations, notamment la RDC. Merci. Nous invitons M. Thierry Breton, commissaire européen responsable du marché intérieur, à prendre la parole.
moi, ma collègue, c'est pour nous d'avoir un grand honneur, mais c'est aussi par notre présence aussi, de vous recevoir l'amitié, de coopération. La commission européenne, je pense que nous sommes ensemble, renouer avec la famille de l'Ouest. Merci, M. le président, de nous avoir invités, c'est-à-dire avec le voyage, parce que pour nous, il était très important de pouvoir non seulement porter témoignage de cette volonté de partenariat que vous dites maintenant, gagnant-gagnant. Partager avec nous aussi la philosophie qui anime l'Union européenne et la Commission européenne qui est par la région. Et si vous permettez, dans deux secteurs clés dont j'ai la charge, le premier c'est le numérique, vous allez en parler beaucoup. Et le second, c'est les matériaux critiques qui sont si nécessaires à la double transition verte et numérique. Un petit mot tout d'abord, si vous le permettez, sur ce deuxième point. Monsieur le Président, j'ai tenu des entretiens extrêmement constructifs avec votre ministre Libby. Nous avons donc décidé ensemble d'initier aujourd'hui une démarche très concrète sur la façon dont nous pouvons travailler ensemble avec un principe très simple. En revanche, on a quelque chose à offrir entre nous. C'est ça, je vous ai dit. Un partenariat, c'est deux piliers d'un même pont. Alors, on a la volonté de bâtir ce pont et on a discuté des points forts et l'ambition aussi de la RDC dans le domaine des matériaux critiques. Vous avez rappelé évidemment l'abondance de bronze du sous-sol. Première chose, qualifier ce sous-sol. Vous aidez, si on peut le faire, évidemment, à avoir une carte, une cartographie des ressources très importantes qu'offre aujourd'hui la République démocratique du Congo. Et donc nous serons prêts à mettre à disposition, effectivement, non seulement les organismes scientifiques, l'ERGM par exemple, dans la République des volontaires, mais aussi les entreprises qui pourraient contribuer. Deuxième pilier, comment faire en sorte que l'on crée de la valeur ajoutée localement. Non, monsieur le président de la République, l'Union européenne ne vient pas ici pour extraire les minéraux, emmener ensuite tout chez nous et la raffiner. Nous sommes là pour bâtir, vous aider à bâtir ensemble l'infrastructure nécessaire. Ça veut dire évidemment les usines de raffinage. Ça veut dire évidemment les infrastructures énergétiques. Je sais qu'il y a beaucoup d'opportunités en République démocratique du Congo et dans les régions limitrophes. Donc c'est tout ça dont on va parler. On a donc cette feuille de route pour que la chaîne de valeur sur laquelle nous allons travailler nous permet d'obtenir aussi ce qui est important pour nous. La résilience, la sécurité d'approvisionnement et au fond, un destin commun. Parce que nous avons ce destin commun. Et nous avons décidé, si ce calendrier vous agrée, de nous fixer comme objectif le mois de juin. Je crois savoir qu'il y aura une réunion importante. Et si vous êtes d'accord, je serais heureux de venir moi-même, peut-être pour à ce moment-là annoncer avec votre ministre des Mines, eh bien, ce partenariat structuré et qui doit permettre d'être positif pour notre avenir commun. Deuxième élément, le numérique. Monsieur le Président de la République. Connaît le destin commun de l'Afrique et de l'Europe. Mais ce destin commun est encore plus fort lorsque l'on regarde les 4 ou 5 fuseaux horaires sur lesquels nos populations sont établies sur la planète. Et au fond, on veut utiliser ce positionnement géographique pour offrir la connectivité de l'espace numérique informationnel et faire en sorte que les jeunes Africains et les jeunes Européens puissent vivre dans ce même espace, travailler dans ce même espace, apprendre dans ce même espace. C'est donc tout le problème de la collectivité, bien sûr par les réseaux sous-marins, mais aussi de plus en plus par les réseaux satellitaires. Vous vous souvenez, monsieur le président de la République, vous avez porté cette ambition avec votre homologue au mois de février 2022, à l'occasion du sommet Union africaine et européenne, vous co-présidiez avec le président Macky Sall.
Vous avez mis le souhait d'avoir une constellation désormais. C'est chose faite. C'est une constellation qui s'appelle Iris. Le nom a été du reste trouvé par des jeunes étudiants africains. Bref, on appelle l'offre internationale et ce sont des jeunes africains qui font beaucoup de questions. Et donc maintenant, on est en train de le bâtir pour permettre précisément d'avoir la connectivité partout. Partout. Bien sûr, en Europe et en Afrique. Avec des critères extrêmement sélectifs, adaptés à la spécificité, y compris, si vous me permettez, du sous-continent, en quelque sorte, que vous présentez dans votre pays si vaste. Et puis, je dis devant la secrétaire d'État, en charge notamment des questions francophones, va permettre aussi à ce grand pays francophone de la planète d'avoir un accès aussi à cet espace international, les échanges. Le dernier point, c'est la cybersécurité. Lutter contre les fake news, dont on sait que c'est un fléau. On est dupe de rien, on sait qui est derrière, et on lutte précisément à travers la régulation aussi que nous avons mis en place en Europe. Et nous sommes prêts évidemment à échanger avec vous parce qu'au fond, nous partageons les mêmes valeurs, nous partageons une vision commune, et on sait que notre destin est aussi commun. Je vous remercie. Nous invitons Madame Jutta Urpilainen, commissaire européenne aux partenariats internationaux, à prendre la parole. Honorable President, dear Prime Minister, ladies and gentlemen, thank you so much for making this forum a success. I was listening with a great interest those outcomes of three roundtables. And to me, one word describes today's atmosphere, and that word is partnership. Partnership between industries, public and private sectors, continents. And I see key deliverables, three key deliverables from today's forum. First, on energy. DRC is among the top global producers of cobalt and copper. EU is among the top consumers. Today, the DRC and the European Commission started to work towards partnership on sustainable raw materials value chains. And this partnership creates jobs and growth for Congolese citizens and supports Europe's green transition. Second deliverable on digital. DRC's digital sector is expanding, but the needs are great. EU is building strong international digital partnerships. Today, we launched the DRC Global Gateway Digital Package to support human-centric and green digital transition. And this transition brings connectivity to millions and minimizes the environmental footprint. Third, on sustainable infrastructure. DRC is home to the second largest tropical rainforest in the world. We want and must together preserve it. At the same time, it is vital to connect different regions of the DRC to really benefit fully from African trade and value chains. Today, EU confirmed our commitment to work with government and other partners in building sustainable West-East transport corridors. So, dear friends, this, I would say, exciting and bright future is first and foremost built with youth and young people, and by investing in education, as we do through the Global Gateway strategy. And now the most important work only begins.
African or European government or business, our partnership is essential. And as mentioned in the morning, through the renewed Great Lakes strategy, the EU will be your partner to promote peace, democracy, and sustainable development. And this is why we announced today a humanitarian air bridge to Goma. So dear friends, together we can shape a brighter future both for the DRC and the European Union. Thank you very much. Très respectueusement, nous invitons Son Excellence M. Emmanuel Macron, président de la République française, pour son discours. D'avoir les N-9, N-10 des entreprises qui viennent, comme si l'Afrique n'était pas important. Ce qui m'est quand même de temps en temps arrivé, je dois le dire. Là, aujourd'hui, Président, vous avez 50 chefs d'entreprise qui sont là, sans les patrons, sans les patrons. Donc, je veux les remercier de leur engagement, parce que c'est un signe de respect, d'engagement, de sérieux. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont signé avec leurs partenaires, l'engagement est là. Merci pour le sérieux, la mobilisation, et donc vous avez des entreprises françaises qui sont pleinement mobilisées au plus haut niveau, parce que c'est un marché important qu'il faut respecter, qui est compétitif, et si on veut être présent, on prend ça. Le deuxième élément, j'ai dit en début de semaine, il faut que, quand on se déploie, qu'on va travailler avec l'Afrique, les grands pays africains, on essaie de jouer gros pays, c'est-à-dire européens. C'est exactement ce qu'on fait, je remercie les commissaires d'être ici présents. On a 50 entreprises françaises, mais elles ont, grâce à l'effet de levier européen, attiré avec elles 50 entreprises européennes qui sont ici présentes aussi. Je remercie tous les dirigeants. Et puis on est venu donc avec les ministres et les commissaires européens qui portent l'ambition, l'initiative, les financements des projets du Global Gateway, 150 milliards d'euros pour l'Afrique et pour accélérer l'intégration régionale, et qui viennent décliner l'agenda qu'on a conçu, pensé ensemble lors du sommet Union africaine-Union européenne, il y a maintenant un peu plus d'un an, à Bruxelles. Et troisième élément, je dis, c'est mieux quand on va bâtir ces partenariats de répondre aux besoins. Et il se trouve que c'est la RDC qui a défini les trois priorités sur lesquelles vous nous avez présenté les restitutions de nos travaux et signé des accords. Et je remercie les trois rapporteuses et rapporteurs et les organisateurs qui étaient importants, et je veux dire que la discussion qu'on a eue tous les deux ce matin concorde assez bien avec ce que vous avez décidé de mettre sur la table. Et donc, ces trois raisons, c'est d'ores et déjà un succès. Alors, au-delà de ces sujets, nous avons, ces dernières années, réengagé avec le président massivement les choses. C'est un peu le sous-jacent, en engageant l'Agence française de développement avec 500 millions d'euros entre 2021 et 2025 qui sont déployés ici, et des conventions signées aujourd'hui permettant d'aller plus loin dans d'autres thèmes, mais ils sont à mes yeux aussi importants, souveraineté alimentaire, santé et énergie. Et donc là-dessus, on a déjà cette base et on l'a accélérée aujourd'hui. Maintenant, de manière très rapide, au-delà de ce qui a été signé, je vais vous dire pourquoi je considère que nous avons à être des partenaires de la RDC, nous Français et Européens, et nous pouvons l'être. En matière d'infrastructure et de ville durable, nous avons un savoir-faire. C'est constitué nos entreprises, ce sont des, ça a été très bien rappelé tout à l'heure, des grands groupes publics et privés aux start-up. On a un savoir-faire à peu près dans toute la chaîne de conception, de production des services.
capital durable et des grandes infrastructures. Et à la fois pour les bâtir, pour les opérer et pour en avoir les prestataires. Donc il y a une offre complète et une capacité, il y a une vraie équipe française qui sait produire à la fois les structures et les services de la ville durable et des grandes infrastructures, ainsi que les financements qui vont. C'est un savoir-faire qu'on a construit, qu'on a gardé chez nous. Dieu sait que la France parfois désindustrialisée dans certains secteurs. Celui des infrastructures et de la ville durable demeure un point fort de la France. Et je pense que quand on voit les défis qui sont les nôtres aujourd'hui sur le continent africain, et les défis qui sont les vôtres, nous parlons depuis une de ces mégalopoles africaines qui est en train de se développer de manière formidable, mais qui a besoin d'injecter du service, de l'ordre, de la gestion des déchets, vous l'avez dit, du numérique pour que cette ville durable soit aussi de la smart city, de la capacité à développer des services de transport, d'eau, d'énergie. Nous avons ces capacités au meilleur standard international. Et je veux qu'on puisse les déployer ici, parce que c'est là aussi un partenariat qui est positif des deux côtés. Et donc, l'équipe de France a vraiment vocation à être un partenaire en la matière, et y compris sur le grand financement des infrastructures, là, au-delà des grandes villes. Le financement, j'entendais dans la matière qui est cité, des ponts, des infrastructures modulaires, ça a été cité ce matin, et le financement également des grandes infrastructures énergétiques que vous souhaitez déployer, en particulier en matière d'hydroélectricité. Je sais vos ambitions, Président, nous les partageons et nous avons envie d'en être. Derrière nous, qu'est-ce qu'on doit faire? D'abord, un, concrétiser ce qui a été signé aujourd'hui. Deux, mobiliser le meilleur de l'équipe de France, ça c'est la responsabilité de l'équipe qui est là, pour venir continuer de mettre en face de vous nos solutions. Et puis trois, mobiliser des financements positifs. Ça, je crois qu'on a très bien reçu le message, on l'avait redit ce matin. Si on veut être au rendez-vous, on a besoin d'avoir des conditions de financement qui sont celles, évidemment, de l'OCDE. Mais malgré tout, on n'est pas toujours les meilleurs de la classe en la matière. Donc il faut qu'on se bouge pour améliorer les choses et être très compétitif par rapport aux autres. Et de l'autre côté, je crois que ce qui est attendu, c'est qu'on continue le travail commencé sur le cadre d'affaires pour permettre sur des projets qui sont souvent très longs. Où il y a des prestataires multiples, où il y a du public et du privé, réussir à bâtir un cadre solide qui permet de rassurer, c'est-à-dire nous d'engager les membres de notre côté, et de donner véritablement de la profondeur de champ et de la visibilité pour qu'on soit en rendez-vous. Parce que si le cadre d'affaires n'est pas là, c'était parfois le reproche qui fait la RDC, de l'autre côté, les financements ne sont pas là et les banques ne suivent pas les entreprises, qui est le reproche. Je comprends tout à fait que vous faites le système bancaire français, d'ailleurs européen. Le problème est le même avec les entreprises belges, allemandes ou autres. Et donc, si on veut un partenariat gagnant des deux côtés, il faut qu'on fasse cet effort des deux côtés de réengagement. Ça, c'est sur le premier pilier qui me semble essentiel, là où on a encore une fois beaucoup d'avancées. Et ça a été très bien dit, l'idée n'est pas, je le dis avec beaucoup de sens, de déployer des infrastructures énergétiques de gestion de ville qui sont celles d'hier ou d'avant-hier. Mais le meilleur des innovations est celles qui permettent de passer des étapes et de gérer de la complexité bien mieux, qui sont le fruit de nos innovations incrémentales françaises ou européennes, mais qu'on peut déployer ici et qui vont permettre de gérer à une ville qui va manifestement passer de 15 à 20, 30, et on nous prédit d'ici 2050, 40 à 50 millions d'habitants, et déjà ça, ce sont des services à déployer, sinon ce sera une véritable difficulté économique, une forme d'inégalité, de déséquilibre. Deuxième élément, c'est le numérique. Là, on peut vous apporter, à mes yeux, trois choses. La première, c'est la formation. Tous les métiers du numérique, comme tous les autres, supposent évidemment une formation d'excellence. Le fait que vous ayez signé un nouveau École 42 ce matin, et qu'on ait aussi développé des prestations avec notre formation première universitaire et professionnelle sur les métiers du numérique, on veut rebâtir un cadre de coopération comme on l'a défini ensemble ce midi en matière de formation et d'enseignement supérieur est clé pour tous les métiers du numérique. La deuxième chose, le commissaire Breton l'a rappelé, ce sont les infrastructures. Et il se trouve que le choix que nous avons fait à l'occasion du sommet de l'Union africaine et de l'Union européenne il y a un an, c'est de dire on veut bâtir une infrastructure numérique pour l'Union européenne et cette constellation. Il suffit de regarder une carte. Et si cette constellation est organisée d'une telle façon, couvrir un axe euro-africain, c'est le choix que nous avons fait. Et donc c'est une constellation publique,
avec des partenaires privés. C'est une constellation qui se fait aux meilleurs standards internationaux. C'est une constellation avec des garanties qui sont les standards que nous voulons pour nous-mêmes, que nous voulons aussi pour le continent africain, c'est-à-dire le respect de la donnée individuelle, un cadre loyal, pas un cadre prédateur en matière numérique. On a décidé de partager cette infrastructure. Et je dis, on le partage pourquoi ? Il y a deux raisons. Un, ça ne coûte pas plus cher. Choisir le sens, on choisit comme ça. Et la deuxième, c'est que c'est notre intérêt parce que ça consolide par l'infrastructure numérique l'axe euro-africain dans lequel nous croyons et ce partenariat que nous voulons essayer. La troisième chose, et vous avez continué de le faire ce matin par vos propositions, vous proposez d'accélérer, c'est de déployer des coopérations entrepreneuriales qui permettent de donner de la vitalité dans le segment numérique. Dans l'ensemble des métiers numériques. Et pour ça, ce que nous souhaitons faire, c'est embarquer le numérique et tous les métiers et secteurs associés dans, en quelque sorte, un cadre là aussi d'affaires et de financement beaucoup plus puissant. C'est ce qui sera au cœur de Choose Africa 2 que nous allons préparer avec l'Agence française de développement, la Banque publique d'investissement et Business France, qui va nous permettre d'avoir une plateforme pour tous les entrepreneurs, pas simplement du numérique, mais numérique, agriculture et industrie culturelle et créative. Et l'idée, c'est qu'avec cette plateforme, on va permettre de démultiplier les projets, de permettre à des entreprises qui sont parfois trop fragiles, parfois n'osent pas aller sur les continents, de venir ici faire des projets avec leurs homologues. C'est le cœur, tout ça s'appuiera et démultipliera ce qu'on a commencé à faire avec Digital Africa. Je remercie tous celles et ceux qui ont commencé à s'y attendre. Et puis le troisième axe, donc les mines, ça a été très bien dit, qu'est-ce qu'on veut faire ? On n'est pas dupes, les mines, c'est un sujet de compétition, de concurrence internationale terrible. Alors on sait bien qu'il n'y a pas que les Européens, parce que les Français qui sont là, il y a d'autres puissances, et qui veulent pour sécuriser leur propre minerai, leur propre métaux critiques, terres rares, pour leur finir. Simplement, nous, on propose de le faire d'une manière différente et je crois que c'est ça qui fonde aussi le partenariat qu'on souhaite et qui correspond à l'esprit stratégique qu'on a défini avec le président Tshisekedi. D'abord, on veut que ça repose sur une connaissance partagée, commune, et un partenariat scientifique équilibré. Et c'est pourquoi l'implication du BHM, l'implication de nos chercheurs, d'un partenariat scientifique, c'est la garantie qu'on aura au meilleur standard des acteurs qui vont vous permettre de connaître ce qu'il y a dans le sommet de ce. Et pas simplement d'en rester à ce qui avait été exploré pour la quasi-totalité avant l'indépendance, et ensuite dépendre simplement de projets commerciaux ou d'acteurs qui ne sont pas du tout coordonnés avec la puissance publique. Et donc ce travail, c'est un cadre qui c'est définir ensemble la cartographie transparente de tous ces éléments pour en assurer la meilleure mécanisation. Le deuxième élément, c'est vous aider à restaurer la pleine souveraineté sur vos ressources minières au sens large. Parce qu'on l'a dit ensemble ce matin, qu'est-ce qui se passe ? C'est que, on parle des mines, c'est formidable. Mais les mines, c'est votre chance, pardon de le dire comme ça, mais c'est aussi votre valeur. Parce que c'est ce qui fait que tant de puissances régionales, tant de gros problèmes, depuis presque 30 ans maintenant, sont dans une situation de prédation de ces ressources en RDC, parce qu'elles sont mal protégées, parce qu'elles sont insuffisamment connues, et qu'au fond, ils viennent vous faire les poches pour pouvoir finir leur mois. C'est la réalité. De bâtir un cadre de loyauté et de sécurité en vous aidant à former, à équiper, à bâtir une stratégie opérationnelle qui est militaro-sécuritaire pour préserver un cadre d'exploitation au service des Congolaises et des Congolais. C'est une condition. Donc ça, c'est un axe qu'on a défini ensemble ce matin et dans lequel on va impliquer, consolider le partenariat militaire, la France étant déjà le premier partenaire en matière de formation de défense. Puis le dernier élément, quand on parle des mines, c'est de pouvoir le valoriser. Et je ferai la comparaison avec ce qu'on veut faire sur le plan de l'économie forestière et de l'agriculture. Qu'est-ce qu'on a très longtemps fait ? Et nous, Européens, il y a plusieurs décennies, parfois quelques années,
et les autres, je dirais, se sont engouffrés et continuent de le faire. Si c'est une économie de prédation, je vous parle très franchement, il y a beaucoup d'autres puissances qui font maintenant beaucoup mieux que les Européens. Ils sont plus efficaces, ils ont des normes encore plus basses que les nôtres, ils ne respectent pas les critères de l'OCDE, ils massacrent encore plus l'environnement. Donc franchement, l'économie de prédation qui a été appliquée il y a des décennies par les Européens, maintenant, il y a des gens bien meilleurs que nous. Donc moi je pense que... Sur cette philosophie. Mais qu'est-ce que c'est, en effet, ce dont Félix parle souvent, Monsieur le Président, ce partenariat gagnant-gagnant? C'est de dire, au fond, le seul truc qui marche, qui permet d'arrêter la prédation, qui limite la corruption, qui permet que les populations s'y retrouvent parce qu'elles ont un retour, qu'on crée des opportunités économiques, et qu'on sort les économies de l'informel, c'est de permettre la valorisation. Et au fond, c'est de se dire qu'on ne doit pas simplement extraire les métaux critiques, les minerais d'ici, mais on doit au maximum commencer à les transformer, à sécuriser leur transformation. Et donc ce que nous voulons faire avec vous sur le plan des mines, c'est une plateforme de transformation et de commercialisation qui permette de pleinement mesurer ce qui sort de vos mines, le valoriser en aval jusqu'au maximum de ce qui peut être fait sur place et d'assurer une traçabilité qui est le meilleur moyen de lutter contre toutes les formes de contrebande et d'éviter que l'or ici, le cobalt là, le cuivre encore là, se retrouvent parfois à des milliers de kilomètres. On sait très bien d'où ça vient, mais personne ne sait vraiment le tracer. Nous avons la possibilité de le faire, c'est cela sur quoi nous voulons nous engager avec vous en matière de mines. Et donc des écoles des mines de Nancy, l'école de géologie de Nancy jusqu'au BRGM, c'est ça qui sera derrière ce partenariat, avec aussi nos grandes entreprises, Eramet, Rano et plusieurs autres, et ce partenariat, si je puis dire, complet. Voilà, je ne serai pas plus long, c'est ce que je voulais simplement dire de manière très concrète, mais je voulais vraiment vous remercier toutes et tous d'avoir... au fond, donner un contenu à l'interpellation que je faisais en début de semaine à Paris sur ce que doit être le partenariat économique entre nos pays. C'est ce qu'on est en train de faire. Il est exigeant, il doit être loyal, il doit être bénéfique aux deux parce qu'on défend chacun nos intérêts. C'est le propre d'un partenariat. On ne suit pas de cadeaux, mais on se respecte. Mais il doit permettre aussi d'aider à construire l'avenir de l'Europe. Pour toutes ces raisons. Je pense que les travaux que vous avez conduits aujourd'hui, que nous sommes en train de conduire, sont des travaux plus utiles. Et ils vont nous permettre de reprendre un fil qui, pour certains secteurs, avait été abandonné. De revoquer des questions qu'on n'osait plus évoquer de manière saine et sincère, mais de le faire dans l'intérêt respectueux de nous tous. Merci beaucoup. Sur les sujets prioritaires identifiés.
En ces temps où de nombreux défis s'imposent à nos populations, au niveau local, régional et continental, il est important de pouvoir se rassurer de l'appui de nos partenaires en sus des inlassables efforts que nous déployons conformément aux responsabilités constitutionnelles et légales nous conférées par le souverain primaire et que nous assumons avec dévotion. Je profite de cette occasion pour rappeler que la République démocratique du Congo fait face, notamment sur le plan sécuritaire, à une agression vile et barbare de son territoire perpétrée par la République du Rwanda voisine sous couvert du mouvement terroriste du M23 et aussi de manière plus générale, non seulement à des défis climatiques liés à la préservation de son écosystème eu égard au rôle lui attribué dans la sauvegarde de la planète, mais aussi à des défis en termes infrastructurels, éducationnels, industriels et sanitaires, pour ne citer que ceux-ci. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, ce forum économique a permis de faire un tour d'horizon des possibilités de coopération qui s'offrent communément à nos deux pays. À cet égard, j'aimerais adresser mes remerciements à vous tous qui avez activement participé aux différentes tables rondes organisées dans ce cadre et qui, par cet acte, avaient mis au jour de nouvelles possibilités de rapprochement entre nos deux pays dans différents domaines et secteurs. Cette initiative est d'autant plus à saluer qu'elle s'effectue à un moment particulier où mon pays s'est engagé à poursuivre des réformes dans plusieurs domaines prioritaires tels que l'éducation et l'effectivité de la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement de base, l'amélioration du climat des affaires à travers une série de réformes visant son amélioration et spécialement au plan de la sécurité juridique et judiciaire pour inciter plus d'investissements dans le pays. Le domaine du numérique, avec l'accélération des réformes visant à mettre en place un cadre adéquat pour le développement du numérique ainsi que le lancement d'un vaste programme de développement rural local des 145 territoires que compte le pays. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, les deux dernières années ont démontré l'importance de renforcer la résilience de nos économies, notamment dans son adaptation à de nouvelles réalités provoquées par des chocs de tout type. En effet, la pandémie de Covid-19, puis le conflit russo-ukrainien, ont de manière évidente révélé le besoin d'opérer des réajustements importants sur les différentes politiques et approches économiques adoptées à tous les niveaux au vu des effets négatifs générés par la survenance malheureuse de ces deux événements. C'est à la lueur de ce constat qu'il nous revient aujourd'hui de repenser notre cadre de coopération au regard de nouvelles priorités et enjeux de l'heure. Il est ici question de souveraineté alimentaire et de santé publique, sans toutefois omettre la transition énergétique et la lutte contre le changement climatique, qui demeure tout aussi urgente et pressante que les premières. Je me réjouis donc que les dialogues qui ont animé ce forum se soient articulés autour de trois thématiques retenues en ce qu'elles s'inscrivent dans la droite ligne des conclusions du dernier sommet Union européenne-Union africaine. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, tel que vous avez pu le découvrir au cours de ce forum, la République démocratique du Congo offre de multiples opportunités d'investissement rentables et dispose de sérieux atouts pour bâtir un partenariat gagnant-gagnant ensemble et responsable. Première productrice de cobalt au monde, avec un volume représentant près de 70% de la production mondiale, la République démocratique du Congo abrite plus de 25 millions de tonnes de réserves identifiées dans son sous-sol, soit plus de 50% des réserves de la planète. Notre sous-sol est également riche en d'autres minéraux tels que le
le cuivre, le manganèse, le chrome et le lithium, tous nécessaires à la fabrication de batteries électriques. Alors que l'on pensait que le plus grand gisement de lithium au monde se trouvait en Australie, des études récentes semblent démontrer qu'il pourrait se situer à Manono, dans le Grand Katanga. La transition mondiale vers les énergies vertes et la décarbonisation qui a stimulé la demande des véhicules électriques ne saurait donc se faire sans les métaux dits stratégiques pour la République démocratique du Congo et critiques pour le reste du monde. Cependant, notre positionnement actuel d'exportateur de minerais bruts nous place au bas de la chaîne de valeur mondiale d'un marché qui atteindra 8 000 milliards de dollars américains d'ici 2025 et pour lequel nous ne captons que 3%. Notre ambition est donc claire. Il s'agit pour nous de promouvoir la transformation locale des ressources naturelles et démocratique du Congo au cœur du développement d'une chaîne de valeur verte régionale de production de véhicules électriques. C'est dans ce cadre que nous avons signé un accord bilatéral de partenariat avec la République de Zambie afin de développer un projet précurseur ambitieux de production de batteries. Cet accord offre un cadre pour la coopération bilatérale sur l'initiative visant le développement de cette chaîne de valeur, ainsi que le renforcement de l'intégration économique au niveau sous-régional. Ce projet représente une opportunité pour les investisseurs intéressés de construire des partenariats inclusifs et durables, et nous sommes résolus à tout mettre en œuvre pour garantir et promouvoir d'autres initiatives avec nos partenaires. À cet égard, je ne pourrais manquer d'exprimer d'ores et déjà ma satisfaction quant à la conclusion du partenariat liant le Bureau de recherche géologique et minière de la France au Service géologique national de la République démocratique du Congo. Ce type de collaboration nous assure la continuité de l'exploration et surtout la maîtrise de nos ressources pour que le pays joue pleinement son rôle dans la chaîne d'approvisionnement mondiale en métaux stratégiques. Il va de soi que tout partenariat ou projet en cours ou à développer dans ce secteur devra tenir compte non seulement des besoins de développement social de nos populations, mais aussi du respect des normes environnementales en vigueur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, en ce qui concerne la chaîne d'action liée à l'utilisation des nouvelles technologies et du numérique comme outil support dans la définition de sa stratégie, la République démocratique du Congo s'est distinguée par l'exécution dans un temps record de réalisations suivantes. La définition d'une vision du numérique portée par le Plan national du numérique Horizon 2025, la création d'une agence pour le développement du numérique, la définition d'un cadre institutionnel et de gouvernance par la promulgation en 2020 de la loi relative aux télécommunications et aux technologies de l'information et de la communication, et bientôt d'un code numérique. Ces réalisations vont de pair avec la nécessité d'assurer le développement des infrastructures numériques, ainsi que des contenus numériques à offrir à la population, notamment. En effet, les nouvelles technologies, de même que le numérique, constituent un levier d'intégration non négligeable, mais aussi une assurance en termes de bonne gouvernance, de croissance économique et de progrès social. Les possibilités de collaboration et de partenariat sont multiples dans ce secteur. Plusieurs existent déjà et sont en cours d'exécution. Et nous espérons que d'autres se concluront à la suite de ce forum. Des projets tels que
la connectivité périurbaine, la création des centres d'accès communautaire aux outils numériques, le support à la mise en œuvre du e-government, l'accompagnement de la recherche scientifique et de l'innovation, ou le support à l'opérationnalisation du cadre institutionnel sont des exemples de sujets qui pourraient vous intéresser. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, en ce qui concerne les infrastructures et villes durables, le gouvernement s'est engagé à entreprendre une série d'initiatives et de réformes afin de soutenir l'intensification de la modernisation des infrastructures de base et l'aménagement du territoire national. Nos priorités se résument dans les points suivants. Le renforcement de la planification urbaine permettant d'identifier précisément les écosystèmes à mettre en place. La promotion des investissements permettant d'accroître l'accès aux infrastructures de base. La promotion des villes vertes alliant renforcement du tissu économique, préservation des ressources planétaires, équité et cohésion sociale, l'interconnexion entre les villes et enfin le partage de compétences dans le domaine technique. Alors que le programme de développement local des 145 territoires dont j'ai fait précédemment mention se trouve dans sa phase d'exécution, les projections en termes de coopération et de partenariat sont encourageantes à travers les différents ouvrages prévus. Je voudrais ici saluer la déclaration d'intention commune de la France via l'Agence française de développement et de la République démocratique du Congo en faveur d'un programme de financement d'infrastructures urbaines. Excellence, Monsieur le Président de la République française et cher Emmanuel, distingués invités, Mesdames et Messieurs, j'aimerais une fois de plus saluer la rencontre de ce jour qui est le prolongement d'un partenariat qui se nourrit depuis des décennies et qui doit se réinventer au regard des nouvelles priorités comme celles qui ont fait l'objet des discussions au cours de ce forum. Je salue les efforts des partenaires et de la partie congolaise qui ont identifié des projets de coopération concrets, axés notamment sur le renforcement des capacités. J'appelle de tous mes voeux que ce type de rencontre ne soit pas la dernière. J'ose croire que nous allons en renouveler les éditions pour continuer à bâtir une stratégie coordonnée, profitable à nos pays respectifs. Je vous remercie. Leurs Excellences, Messieurs les chefs d'État, Madame et Messieurs les commissaires européens, Mesdames et Messieurs les distingués invités, ainsi prend fin la cérémonie de ce jour. Nous prions l'assistance de se lever pour saluer le départ de leurs Excellences, Messieurs les chefs d'État. Problème.